Donc nous nous revoilà avec la suite. Donc j'ai fait voilà, donc j'ai fait ma, donc je pense que ça va être une grande zone commerciale. Pas une zone commerciale, je sais plus comment ça s'appelle là. Merde, n'importe quoi. Ce sera comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, des là où dans un seul magasin il y a 500 magasins dans un magasin, dans un grand magasin. Donc je pense que c'est ça que je suis en train de construire ça. Je sais pas si vous l'aviez dit. C'est mon projet, ça y est, c'est décidé. Hop là. Donc là on est parti pour monter un moment. Donc on va faire 4 étages. À partir du 4 étages au 5ème on va faire un. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de porte. Et à partir du 5ème on fera le plafond. On fera un 2ème étage. Je pense qu'on fera 3 étages comme ceci. Avec des paliers, je pense que je vais faire quelque chose de joli, ça devrait être intéressant normalement. Avec quelque chose sur l'extérieur. Donc je pense que. Ah ouais d'accord, ouais, ça y est, je viens de comprendre comment je vais faire, ça y est ouais. Donc je ferai pas de porte comme on l'appelle une porte. Je vais faire un système d'ascenseur. Ce sera pas du tout un ascenseur, ce sera des échelles. Mais ce sera comme ça, comme un ascenseur extérieur, comme on peut voir dans aux USA ou etc. Donc voilà. Donc c'est un peu long quand même pour faire un tour entier. J'ai fait le bâtiment plutôt grand parce qu'il faut le faire quand même relativement grand. Donc je pense que je vais le faire de ce côté parce que ma porte de téléportation je la ferai quelque part par là. Donc plutôt par là la porte de téléportation, donc c'est plutôt intéressant de faire quelque chose ici. Donc là on est vraiment reculé, on est vraiment loin de la carte, vraiment loin, donc faut vraiment vouloir venir ici. Mais bon, on mettra après un téléportateur et donc du coup ce sera relativement pratique. Et après c'est pour les maps, là j'ai pas compris, ma map elle me suit plus après, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, enfin, c'est pas très grave non plus. Donc là, bon, ça va quand même relativement vite, hein. Je pense que dans le soir, on aura réussi à le finir. Attendez, j'ai juste regardé qui c'est qu'il y a. D'accord, il y a beaucoup de choses moins. Mais je crois que Kucho n'est même pas là, donc c'est désactivé. Même s'il est là. Et quand on sont 3, je ne sais pas non plus lui où est. Oui. Mais bon. Donc voilà, donc en 63, mon gueulerie me dirait pourquoi je fais pas ça à World Elite. Bah j'ai pas envie de le faire au World Elite tout simplement quoi, parce que je vais pas m'en servir et puis bon voilà quoi, ça donne un petit charme de le faire à la main quoi. C'est un charme parmi un autre. Donc voilà. Je peux aussi vous dire que je vais pas m'en servir, hein, mais je pourrais apprendre hein, parce que il m'a montré les idées, les idées Minecraft, il m'a tout montré hein. Je pourrais le faire mais j'ai pas envie. Mais bon, donc voilà. Ce que je veux dire, les deux centrales, je sais pas si vous l'avez vu, la centrale nucléaire, on l'a fait en. Les deux tubes, on les a fait en 5 secondes de tube, quoi. Et le bâtiment, on l'a fait en 1 seconde. Alors que c'est un énorme bâtiment, enfin bon. Il n'y a que l'intérieur qu'on n'a pas. Qu'on n'a plus World Elite. En même temps, c'est pas très grand à faire au World Elite, quoi. Donc voilà, on va faire encore un autre étage et après on fera le plafond. Voilà. Voilà. Donc je pense que je vais faire une petite ellipse à partir de ce moment-là, parce que je trouve pas que ce soit très intéressant. Mis à part si vous voulez écouter la radio tout le long. Voilà, donc après qu'est-ce que j'allais vous dire. Oula, c'est bien de le voir ici maintenant. Je sais pas que ça veut dire. Ah oui, j'ai changé mon skin aussi, je ne suis plus un Kevin. C'est plutôt intéressant. Hop là. Petite faille. Hop là, quelqu'un nous rejoint. Donc comme vous pouvez voir, on va essayer de l'appeler. Voilà.
sais pas s'il va me parler. On verra bien ce qu'il me dit. Voilà. On va faire une petite ellipse là dans quelques secondes. Et revenons tout de suite d'ailleurs. Donc à tout à l'heure, à plus, ciao. Salut les amis, donc nous nous retrouvons en compagnie de Cancan 63 pour faire une auberge. Donc là c'est la base comme vous pouvez voir, donc salut. Ouais, salut à tous, donc salut aux viewers de iBoss 150, donc salut aux miens tout particulièrement. Donc si aujourd'hui on se retrouve, bah, c'est comme iBoss a dit, on va faire l'auberge du serveur. Donc vous voyez que le terrain est délimité devant nous. Il est assez petit, mais en même temps je le trouve assez raisonnable pour une auberge, parce qu'on va pas faire non plus quelque chose d'extraordinaire. La difficulté étant de faire une auberge, mais avec les styles que j'ai définis dans Minecraft, parce que les auberges grises, blanches et bleues, c'est assez rare quand même, donc va falloir jouer avec ça. Et à mon avis, on va s'amuser là, donc voilà. Donc salut à toi, iBoss. Merci de m'accompagner. Ah, mais pas de problème. Et merci à toi de bien vouloir m'accepter sur ton serveur, hein, parce que je te rappelle que je ne suis pas modo et je suis quand même dans la construction du jeu, donc merci quand même à toi. Bah écoute, je t'en prie, donc voilà, donc en fait vous avez pu voir que je me suis entouré de cool show pour bah vous l'avez pas vu aussi, vous allez le voir, donc de cool show pour construire l'épisode 4, donc la coupole. Donc il est venu pour m'aider et là je prends un autre gars qui vient m'aider, donc voilà, parce que je trouve que c'est plus sympa comme ça, on discute, ça fait du monde et voilà, donc ça vous montre aussi un peu ce qui est la vie d'un serveur tout simplement. Donc voilà, donc j'ai créé les bases. Voilà, vous pouvez voir que je suis en tiny complet. Mais si vous voulez une belle render de distance, vous allez sur la chaîne de Video Farming. Il est en train de filmer aussi, hein, je crois. Oui, je filme, c'est bien tout à fait ça. Voilà, donc j'ai posé les bases, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, elles me plaisent pas du tout parce qu'elles sont pas dans le matériau que je veux. C'est de ce matériau-là que je parlais. Ouais, mais par contre, moi j'ai pas de demi-dalle parce que tu veux l'avoir que par le World Elite, ça. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on va pas beaucoup s'en servir, c'est juste pour maintenant. Voilà, mais détruis-moi, c'est parfait. Donc, faut savoir que là, je tourne avec deux PC, donc un qui me permet d'avoir une vue d'ensemble et l'autre de filmer avec vous. Et en fait, mon gros PC est en train de ploder et mon petit est en train de filmer, c'est pour ça que je suis en team. Donc voilà. Ouais. Voilà le pourquoi tu commandes. Donc là, je vois que ça fait faire nuit. Donc on va peut-être se faire une petite commande. Hop. Voilà. Voilà. Donc surtout, surtout, n'oubliez pas, je suis content. Moi, je suis à 7 abonnés. 2100 vues. J'ai eu pas mal de commentaires. Ah ouais, quand on s'en trouve, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça s'achetait pas l'herbe en fait. Tu sais, il y a ouais. Un gars il m'a fait ouais tes vidéos sont bien mais en fait tu t'es trompé, l'herbe ça s'achète pas, ça se fauche. Alors j'ai rien compris, j'ai reposé une question derrière. Donc voilà. Oh oui non mais laisse tomber, de toute façon on est sur Minecraft, on n'est pas sur Agra. Ouais. Voilà. Oui parce qu'il faut savoir que la chaîne d'iBoss est plutôt basée sur les jeux de simulation. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est mon PC qui est en train de me faire la vue principale. Donc en fait j'ai ça sur un autre ordi à peu près. Ouais, voilà. C'est ça. Donc alors je prends de la laine blanche et des bleus. Prends-moi de la laine blanche et de la laine bleue et on va faire pour rester dans l'originalité. Pour l'instant, prends-en, mais je ne sais pas si tu vas faire grand-chose là. Ouais. Parce que pour l'instant, attends. Parce que pour l'instant, vraiment, je le design encore une fois avec vous. Si, est-ce que tu peux monter... Non, bah, laisse tomber, je vais faire parce que tu n'as pas les blocs. J'ai envie de le faire grand, le toit. Je sais pas ce que tu penses, mais un, ouais. Deux... Ouais, le toit... Ouais. Parce que, voilà, je trouve que 3, c'est bien, mais il y a juste... C'est pas si grand que ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, il faut savoir aussi qu'on a fait... qu'on a fait une centrale nucléaire. Pourquoi une centrale? Oui, vas-y. Je pourrais aller la faire voir, non? Alors, en attendant que tu fasses les trucs que je peux pas faire, non? Vas-y, ouais, si tu veux. Donc voilà. Elle est juste derrière. Donc c'est une centrale nucléaire qui est pas encore finie. Ouais, elle est pas tout à fait finie, donc attendez. Donc... Préciser, hein, il reste encore des choses à faire. Ouais, pas mal de choses, donc je vais vous la faire voir.
Donc voilà, donc ça fait quand même un petit côté style avec avec la fumée, en fait, tout simplement des toiles d'araignée. Exactement. Et donc voilà. Donc ça, c'est le bâtiment. Donc voilà. Là, je sais pas trop ce qu'il y a. Et à l'intérieur, là, au fond de ces grandes cuves, il y a des réacteurs. On peut même d'ailleurs y rentrer. Ça ne coûte rien d'y rentrer. En fait, là, je crois même que je me suis trompé parce que je suis toujours à 3, donc il faut que j'en rajoute. Donc, voilà. Ici, il n'y a pas grand-chose. Donc là, c'est la première base. Donc là, c'est là où il y a le réacteur. Voilà. Et donc, attendez. Donc on va aller direction l'autre réacteur. Donc c'est une à deux réacteurs, quoi. Voilà, c'est un endroit de réacteur, hein, tout simple, mais tu restes quand même dans le RP en fait, un peu. Hein, oui. Si on peut. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un peu dans le RP pour vous montrer mais que. Tiens, viens à côté de moi, s'il te plaît. Ouais, j'arrive tout de suite. Je te vois arriver. Bah, bien sûr, pas sur l'ordi là. Voilà. Viens. Je sais pas où t'es parti là. Merde, je suis trop con. Je me prends toujours dans ce serveur. Pourtant, il est pas compliqué. Non, pas trop. Je sais pas où tu es là par contre. Derrière toi. Alors, voilà, parfait. Hop. Alors, viens, descends. Vire un de tes emplacements, s'il te plaît. Là, c'est bon, là j'ai un emplacement libre. Dans celui-là. Ah, tiens. Merci. Comme ça, tu auras les doubles slabs. Et est-ce que tu peux tu vois, m'en mettre tout autour ici. Comme ça? Ouais. Tu m'en mets tout autour, s'il te plaît. Comme ça, là. Voilà, comme ça, et puis tu fais tout le tour. Voilà. Okay. Juste comme ça. Donc, comme ça, ça m'avancera quand même un petit peu. Donc, encore merci à toi de m'aider. Non, mais c'est bien normal. Hein. Je t'ai dit. Voilà. En fait, je voulais faire quelque chose, là, mais... Je me rends compte que c'est waouh, je suis loin dessus. Et donc du coup, pour tu sais, j'avais attaqué à filmer là la construction de la zone commerciale que j'avais commencé. Du coup, j'ai supprimé les vidéos. D'accord. Donc voilà. Donc on verra si peut-être tu veux le continuer, si en y réfléchissant. Moi, j'avais réfléchi à quelque chose de pas mal, de joli. Et du coup, ils mettent des petits bâtiments dedans, enfin des petites cases pour faire des emplacements pour les marchands. Mais bon, voilà. J'avais réfléchi à ça. Donc. Ouais, mais c'est pas comme ça que je veux le faire. J'avais pensé à un truc relativement grand. Et... Voilà, ça comme ça. Mais... Voilà, là, j'ai le bug. Alors, en plus, j'ai un PC qui rame, mais en plus, j'ai les bugs de souris. Alors, je vous explique même pas. L'avantage d'avoir un gros PC, moi, ça fait à peu près 20 heures qu'il est allumé. Il tourne nickel. Enfin, nickel. Il lag un peu, mais ça passe inaperçu dans les vidéos. Donc, c'est cool. Alors que moi, c'est plutôt le contraire. Il est bourré à bloc, mais il passe. Donc, okay, donc je fais comme ça, là, comme toi, tu fais. Ouais, mais respecte bien, par contre. Ouais. Parce donc... que si tu te trompes sur un truc, on doit tout refaire. Donc... Je préférerais que tu le bourres pas. Oh là là, mais c'est pas possible. Attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de prendre la place. Comme ça. Voilà, donc c'est quand même relativement cool que je sois avec toi en ta présence. Donc désolé, des fois si je parle pas trop, c'est parce que j'ai moi aussi un deuxième PC. Parce que sur l'autre PC, tout simplement, je... Comment dire? Je perds mes mots. Avec l'autre PC, j'apprends mon... Je suis en Python, quoi. Et j'apprends le Python avec mon deuxième PC. Donc voilà. Parce que j'attends la plate de la programmation. Donc des fois, je parle pas trop.